Normalement, le juge va clôturer son instruction dans les jours qui viennent. Il y avait d'ultimes petites vérifications à faire auprès de certains photographes. Voilà, ça a été fait ce matin. Maintenant, ça va être l'heure des décisions. Et finalement, ils étaient un. Reuters offre ça aussi en Eurovision. On ne peut pas aussi oublier que si il était décidé que mon client devait être poursuivi pour homicide involontaire, c'est-à-dire comme ayant participé, même marginalement, même de très loin, ce qui serait inexact au déroulement de cette tragédie, il y a un facteur beaucoup plus important que l'attitude des photographes dans l'accident. C'est quoi ce facteur? C'est l'attitude des services de l'hôtel Ritz. C'est beaucoup plus décisif dans l'accident de laisser s'installer quelqu'un de sous au volant d'une voiture que d'essayer de prendre des photos, voire même d'essayer de rattraper une voiture qui de toute façon aurait été très vite parce que le chauffeur était dans un tel état que. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de fantasmes et de pression un peu irrationnelle ici ou là. Le juge d'instruction a fait très bien son travail, complètement. L'instruction est achevée. Et je crois qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que mon client ne bénéficie pas maintenant très vite d'un non-lieu.